Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui se soucient de moi, à tous ceux qui sont en train de m'appeler pour savoir de mes nouvelles pendant cette absence que nous étions sur vos écrans. Donc nous sommes toujours dans le build-up, comme on dit en anglais, d'un autre projet qui sera lancé l'année prochaine, et cela nous demande un peu beaucoup plus de temps à l'extérieur. Vous allez remarquer, même nous vous demandons des excuses pour la qualité des images, parce que le travail que nous faisons affecte aussi notre studio. Mais néanmoins, nous nous sommes dit, nous ne quitterons pas sans que nous puissions vous dire au revoir ou bien vous dire quoi que ce soit. Mais sachez que Contact Pro Live est là. Il est là, il n'est pas... Non, le projet de 2022 tournera donc en même temps avec Contact Pro Live. Mais ça sera toujours dans le même optique, dans le même engagement, mais sur un autre plan. Je ne veux pas encore révéler ce que je suis en train de préparer pour vous, mais sachez qu'il y a de bonnes choses qui arrivent l'année prochaine. Mes chers amis, comme vous l'avez lu dans le titre, la RDC à la marche au gré de vague. La RDC est en train de marcher au gré de vague, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas un plan. Le gouvernement actuel ou ceux qui nous dirigent actuellement n'ont pas prévu quoi que ce soit sur lesquels ils vont ils ne nous ont pas défini leur chemin, où est-ce qu'ils sont en train de mener le pays. Aujourd'hui, ce sont les élections pour quel objectif? Donc tous les actes qui sont posés sont que des actes qui sont posé comme ça parce que ça leur vient à l'esprit ou bien l'actualité les oblige, par exemple, que non, il faut faire ceci. Vous aviez remarqué, par exemple, la guerre à l'Est ne se termine pas. On est parti de l'état de siège, on est parti de la gratuité de l'enseignement, on est parti avec, on a commencé même le projet de dire que non, nous allons financer les 145 territoires. Tout ça, c'est dans l'impréparation la plus totale. Et donc, nous, les peuples congolais avertis que nous sommes, nous constatons que le pays est en train d'être dirigé au gré de vagues. Aujourd'hui, ce sont les insurrections à Bukavu, on jette un coup d'œil là-bas, on laisse. C'est dans l'armée où il y a le problème, on ne sait pas finalement où est-ce que nous sommes. Et nous nous posons la question de savoir ce qui nous dirige, avait-il été préparé vraiment à diriger ce pays? Et ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui veulent vraiment entrer dans le gouvernement ou bien prendre le pouvoir aussi, ont-ils un plan pour diriger le pays ou bien sortir le pays dans ce marasme dans lequel nous sommes? Là sont des questions que nous allons essayer un peu de décider dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui. Nous ne serons pas longs, mais nous allons analyser les trois axes-là. Comment les dirigeants se comportent? Où est-ce que nous voulons que le pays puisse partir? Où est-ce que le peuple est en train d'attendre ce gouvernement actuel? Donc, serrez vos ceintures. Nous allons en parler. Donc, mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer le sujet dont je vous ai parlé. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Dossier Bukangalonzo, Matata Mponyo conteste la compétence de la Cour constitutionnelle. Et puis, à deuxième réunion ministérielle, UA et EU, Christophe Lutundula appelle à relever les défis communs et renforcer les liens commerciaux. On va sur actualité.cd, RCD Sénat, auditionné à la commission relations extérieures, Christophe Lutundula rappelle la nécessité de doter son ministère de moyens conséquents. RDC Rutshuru, l'armée a récupéré toutes les positions de main de M23. On va sur Congo Profond.
Ituri, arrêté fin août, enfin au dernier, Changa Rukia Kavugo, belle-sœur de Djamil Moukoum, est au service des ADF depuis plus de 20 ans. EPST, 81 000 enseignants, nouvelles unités, enfin alignées sur la listing. 7 sur 7, le procès aussi Mukendi, la plaidoirie prévue au 22 novembre. Et puis, toujours Matata en pognon. Et puis, le centre culturel et artistique de Kinshasa sera inauguré en septembre 2023. On termine par Radio Okapi. Kwilu, 286 enfants décédés en 3 mois d'une nouvelle maladie inconnue. Le député Ayubangira Safari déplore les attaques du M23 à Rutshuru. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, donc on va commencer où? La marche du pays est au gré de la vague. C'est quoi la vague que j'ai dit? Donc, c'est quoi cette vague que j'ai dit? C'est-à-dire, par exemple, l'actualité. Vous allez voir, il y a trop d'événements qui se succèdent et qui presque ne nous amènent à rien. On a commencé à combattre. On est parti d'abord au projet 100 jours. Après, le projet 100 jours a échoué. On a réveillé l'histoire de Bukangalonzo. On est passé des scandales en scandale. On a arrêté les gens qu'on a libérés. Donc, pendant ces 3 ans, 2 ans et demi que nous avons passé, nous ne sentons pas où est-ce que nous sommes en train. Quel est l'objectif final en 2023? Où est-ce que nous allons nous situer en 2023 en disant au peuple, voici, nous avons fait quitter le pays à tel endroit où on l'a fait arriver à tel endroit. Tout ça, Bandeko Ezali, parce que nous ne réfléchissons pas avant de prendre ce pouvoir. Nous ne réfléchissons pas sur le problème réel de ce pays. Il y a moins tout ça qu'on a fait dans la démagogie, tout ça, au nom, tout ça qu'on a fait. C'est puisque l'objectif n'est pas finalement connu d'avance et le peuple congolais ne sait pas ce que le gouvernement est en train de faire. Le programme, on nous a embrouillé. Bandeko, on a parlé de beaucoup de choses pour pratiquement rien réaliser. Je me pose la question, si l'objectif, par exemple, du président de la République se disait, quel est le fondamental de notre pays? Fondamental, Ninao, quel est le basique sur lequel notre pays doit être assis? Donc, il faudrait que nous nous posions la question et nous puissions nous réfléchir. Est-ce que c'est un problème des gens qui ont volé ce pays qui nous a fait assez que tu s'es retrouvé dans ma makambu? Est-ce que Ezali problème est abattu? Est-ce que Ezali problème structurel? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réaménager notre pays afin de remettre le pays sur les rails? Justice n'a pas été tiens, moi, quand tu as dit que 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 tu as dit. Je crois même que pour faire une route, et qu'une route qui doit être durable et qui sera utilisée pendant 50 ans, on regarde, on étudie le sol. Total et Tolobiso, tout ce qui est ciment, et qu'on s'effondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maïezana Katia, tout le monde a nous maï. Est-ce que Tshisekedi a essayé un peu d'aller sur la fondation de notre République démocratique du Congo? Parce que nous savons que tout est à refaire en République démocratique du Congo. Oko ki jamais koya olobite nga na okene na ona sala justice pendant que Moussa les ate. On a coupé Sabine Moussa pendant que justice les ate. Quel est le fondement? Et nous l'avons dit ici à Contact Pro Live. Tolobi fondement eza mbongo, tezate ke mbongo et Congo ezangi mbongo. Nous avions dit que ce n'est pas l'argent qui manque en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se précipite, Balobino, tout le monde investisseur, tout ça là. Est-ce que nous avons réfléchi? Bandeko, ne marche wana ya République Otozako déplorer que non. Mboka na biso zo kende kaka boy. Mbilinga mbilinga, tozo kende kaka tozo e bate so ki tozo sala nini. Alors, la raison réelle de l'émission Alléluia za nini? Eza kona ko amené bino na réflexion wana ya koloba. Ata bana o baza ko yemba banzembo balobi non situation za boy
Tout ça, ce sont des déclarations. Mais je ne vois pas quelqu'un qui passe en nous disant « Voici le réel problème du Congo, voici la solution où, par où nous avons commencé. » Ici, à Contact Pro Life, nous ne sommes pas dans le débat à Kolobakeno, Oba, Oba, Salibo. Toza Kotala, Ninya, Mwe, Foto, Sala. Mboka o eling et sengeli nini poto banda ko décoller. Est-ce que sengeli to kanga kabatu? Faudrait-il aller encore dénoncer que ba miyibi ba tondi na mboka? Aujourd'hui, le pouvoir actuel est en train de se justifier. Non, oh, gratuité enseignement. Oh non, to kangi batu. Oh, IGF faisons ça là. Tout ça c'est éphémère. On ne sait jamais pencher sur la solution réelle de notre pays. Solution est à Nini, Siko, Yobandeko. Quand vous me posez la question, et il y a les gens, les amis qui sont à Kinshasa qui m'ont appelé pour me dire que non, Germain, solution n'a pas explicité, biso ango malam. Je suis en train de vous dire que Mboka na biso ezana besoin en bon côté. Ce n'est pas, nous n'avons pas encore besoin d'argent présentement. Nous avons besoin de nous asseoir et à côté la Nini, place Nini en Gotozali. Et qu'est-ce qu'il faut pour que Bissonyo soit tout ça là? Tout ça les loco moko. Parce que attends tout ça na mbongo, moi en motango kokota, qu'est-ce que l'état est en madofo le beleza, moyen à kozwa mbo. Attends tout lobi non que mbongo koti ebele ebele. Mbongo ana kosali sate. Les gens ne sont pas circuit à distribution mbongo eza comment on a te. Alors il faut réparer ça, c'est ça l'idée principale. Que le pays d'abord soit remis sur le rail du développement, sur le rail du développement, sur le rail de la discipline. Oh non, les Congolais, ma mentalité, ça, tout ça. Tout ça, c'est de la cacophonie qui se trouve parce qu'on ne sait pas encore retrouver quel est le chemin que nous voulons prendre et où est-ce que nous voulons arriver. Bandeko, moi j'ai posé les bases, enfin j'ai donné mes propositions sur le base, sur la base. Il ne faudrait pas que vous que non. Solution auto qu'on implémenter dans la République démocratique du Congo, il faut être applicable tout simplement dans la réalité à Congo. Dans la réalité à Congo. Nous devons nous laver, pas tout ce soit le bien mentalité. Non, la mentalité, ce sont les leaders qui implémentent une mentalité en disant que nous allons implémenter la mentalité à corruption dans le cannabis et exalté. Donc, tout stopper ma corruption. Ce n'est pas tout simplement en disant que nous déclarons l'état de siège à l'Est et que l'état de siège va résoudre les problèmes sans que nous puissions mettre les bases, sans que nous puissions étudier comment est-ce que nous allons y aller pour implémenter cet état de siège. Gratuité et enseignement. Quelles sont les mesures que nous avions dit en disant que voici les problèmes. Bah enseignant bah ça répertorié t'es. Bah tous un problème structurel y a école. Bah ma somme a tué comme un ingapi. Je voulais dire ça en swahili comme ça. Donc on ne sait jamais, on n'a jamais fait. Regardez ce qui se passait dans la précipitation. Lorsque le ministre Muindo Zangi fait un état de lieu de l'enseignement. Ça a couché d'une souris. Le problème est belé, donc il ne réussira même pas à faire cette réforme-là de l'enseignement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous voulons faire les choses dans la précipitation, comme ça, tout ça, la cacaboé. Ils n'ont pas le moyen d'exécuter, ils n'ont même pas songé quel est le moyen d'exécuter les résolutions qui sortira dans Katia Banani, à l'état de lié, l'enseignement, Nabiso. C'est comme ça que tous les projets qui seront pris ici et puis bâtis qui en haut, bilo kwa ne koya ko zongi la kaka, donc et lo komo kwe ko salemate. Le problème de ce pays, c'est un problème structurel et du système dans lequel nous sommes. Le changement que le peuple est en train d'attendre, c'est que la responsabilité de la gestion de ce pays lui soit remise et qu'il ait le monopole de dire que non, nous allons punir ici. Imagine-toi tout ce que les gens ont dit que non, Batoubaï, Bakakotoyo, Bakangiso, qui 3, 4, 5 personnes, on n'a jamais vu.
le feedback ya ba ya banani ya ba arrestation na et mon anaté et ko ki coupé ko mon anaté na katia. Le système de ce Bokonzi là, c'est ça qui tue notre pays. Pendant que nous voulons donner le pouvoir à une seule personne, nous avons vu même les professeurs de l'université en train de se vendre comme ça. Batouana Mayele na bango ezali susu Mayele eza kusu ko servir na mboka te, parce qu'ils sont en train de servir leur tendance politique. Alors, nous disons, qu'est-ce que nous devons faire pour remédier à cette situation? Il y a nani oyo ya ko zongi sa mboka na biso na place oyo ya discipline kokota na place oyo bantu ba ko banda ko sala ensemble ba ko lobate tozo sala pona bit moko. Aujourd'hui, ce sont les objectifs différents au batwaza ko salela. Kila mutu ko na jitumikia ni fanye nguvu ni kuwa na mi depite na mi nanje kuuza ni kukua na maisha mzuri. Tout le monde veut faire la politique et être ministre et par tous les moyens. Vous allez voir dans les campagnes électorales, les gens, pour être des députés, ils vont vendre leur maison parce qu'ils sauront qu'avec cet argent-là, ils pourront aller corrompre la base pour voter. C'est ça le système actuel. Il n'y a pas de discipline, il n'y a aucune loi. Les lois qui sont là ne sont pas implémentées. Alors, comment nous allons y sortir? C'est ça la question. La question, c'est qu'il faudrait que la notion là du chef, de savoir que non, c'est le chef qui va faire ceci, qui doit tomber. Et cela doit commencer par celui qui est là aujourd'hui. Si nous voulons vraiment c'est que en 2023, nous puissions avoir un nouveau Congo, il faudrait que le président actuel puisse se dérober de toute cette tendance à badjale le haut bas entouré pour adopter une attitude à kolobate et zangaïté. Nous devons reconstruire un nouveau Congo où le peuple sera responsable de sa destinée. Peuple haut, ce qui a causé la frontière, s'il ne protégera pas son travail, il va mettre le pays en danger. Mais ce peuple-là, cet homme-là qui est, par exemple, qui travaille à l'immigration, doit être conscient que Bapaya o bazoya kokota awa, il faut que na sala musala na nga malamu pour que na kotisa ennemi te na kati ya mboka. Et que la responsabilité je la porte. Et que soki na sali musala mabe, batu msusu o baza pembeni na ngai, baza kota la ngai. C'est ça justement, lorsque le peuple à la base va prendre cette responsabilité, le peuple va comprendre que non. Nous sommes un pays, c'est notre territoire, c'est notre province, c'est notre... Ça c'est nous. À ce moment-là, il y aura une certaine émulsion que Batoua Obandoï va soutenir. Le système sera que vous volez on va constater que non, yoza moibi, bat longoliyo. Cela n'arrivera que lorsque
le président actuel pour que to kota na mboka na biso na 2 na 4e république o toza ko prôner to kota nango en douceur et que batu nyonso tout makambo oyo ya ba parti politique o to ya ko réorganiser yango bien. Il faudrait que le président actuel aujourd'hui prenne conscience à cause se dérober à Kolobaté. Ngamoko boye ngai Félix Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na koki ko bongisa mboka ote même si j'ai des milliards en banque. Les lobes koko ko koti son à rythme on a baza ko kosa balobité to ko organiser ba élection bongo ezali. Nous n'avons pas simplement besoin d'argent. Nous avons des besoins de cette communion fraternelle, nous avons besoin de cette quiétude que non, nous sommes en train de travailler pour notre pays. Et cela ne coûte absolument rien. Ça coûte du travail, ça coûte le travail de réorganiser la base en l'air, disant « Bokonzio, Bopesinga, Ezakoye, Bisabino, Kembino, de Bakonzi. » C'est vous qui doivent travailler, ce n'est pas seulement moi. Tout le monde doit travailler à son niveau pour que toi, tu conjugues les efforts de Bissonnoso pour que mbongo ezala na utilité moko ya bien ba 1 milliard wana ba 3 milliards ozo loba okoti na kete ya l'état madusu ekoti eko sala pe loko musala msufu te musala moko mbongo wana ko sala e komona na te. Nous arriverons à 2023, vous allez voir que non ba mbongo ezo kota mais côté oyo ba msufu ba sauf ko futa mate, c'est parce que le système est corrompu. Alors nous sommes dit, voilà le système que nous voulons que tout tient en place. C'est d'abord renvoyer toutes les décisions au niveau des territoires. C'est ça que nous avons appelé qu'il faudrait que les territoires s'accaparent, se prennent des responsabilités. Nous devons réfléchir à un nouveau Congo. Congo Yassika, Congo Oyo. Donc, réécrivons la constitution de notre pays. Et qu'on s'enga biso un mois, et qu'on s'enga biso peut-être deux mois, tout au maximum. Mais ça se fera comment? Il faudrait que le Parlement ici puisse être d'abord suspendu dans le Sénat. Ba institution Oezali Awa va mettre Bango en congé en les renvoyant dans leur territoire. Il y a aucun déco réorganisé Batou na Batou Bandeko la CENI ba document sous la CENI Oezalema qui est biaisé. Mais les colonialistes ont laissé l'organigramme ya ba secteur na ba nani na ba territoire où il y a des hommes qui sont, il y a des notables qui peuvent se dire que non, ils sont des notables, il y a coin Oyo. Tes territoires, na ba territoire, chaque territoire, tu vas aller kuna ba wako s'organiser, ba solo là. Avec ma solo penza ya fra koloba que non, bokonzi Oyo, tolingir souzoute que ba mutu moko boya banda koya kokomane tiroa te. Réorganisons le pays. Nous voulons par exemple un président. Régime nini en haut lingi to sala biso to banzi que régime présidentiel et ko kende biso malamu biso que la réflexion commence na ba territoire et puis ba de territoire to ko sala ngo na province ba to ba ko sala siko kom. C'est là où nous allons voir exactement nini en haut lingi pour na Congo na biso pour que la base va sanctionner maintenant se disant que je suis en mboka na biso. Police en boka na biso, sécurité na biso. Gestion par exemple à ba projet de développement, que cela ne puisse pas être attendu à partir de Kinshasa. C'est en fonction de ce que nous avons. Qu'est-ce que les territoires ont? Ba tuba koki banda koloba na territoire na biso a tozalaka na bilanga, tozalaka na ba matembele, tozalaka na pour ne pas parler de mines parce que ba richesse ezebele. Comment est-ce que nous pouvons organiser notre territoire afin d'exploiter notre territoire tous à la kanamwa mbongo ebele pour que total combien de pourcentage nous pouvons commencer à envoyer au gouvernement central tout en passant par les provinces parce que à partir de ba territoire tous à la kati ba province et pour ba province le gouvernement central. Donc il faudrait que les territoires puissent d'abord réfléchir. Et puis, ba comme ce qu'on a niveau à la province. Et puis, à partir de la province, ne t'occupe aucun escoyo à niveau ya, national ou t'occupe aucun escoyo constitution à Sika. Tout en regardant déjà, t'occupe aucun escoyo à ma belle, il y a un système où les cas qui passaient.
Nous ne pouvons plus rentrer dans le même système. C'est ça le changement que le peuple est en train d'attendre. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, espérant que vous allez encore me suivre la suite de cette émission très prochainement, parce que je crois encore que je vais prendre encore 2 ou 3 jours où je serai absent. Mais je vous invite toujours à continuer à vous abonner nombreux sur notre chaîne, continuer à partager nos émissions. Nous continuons toujours à élever votre conscience, à éveiller votre conscience que le pays, ce n'est pas la façon dont elle est dirigée au gré de vagues. Ça ne nous, nous allons arriver en 2023 avec beaucoup de scandales avec, et nous ne saurons pas où nous irons. Likambo toza koloba ya ba yanani ya ba état de ya ba territoire. Là, on peut lancer même le programme maintenant à identification na kati ya ba territoire. Chaque territoire s'appropriera de ça. Il se dira bon OK, biso to sali awa to sala boy boy ABCD. Qui sont les gens qui vivent chez nous? Voilà système, nous allons gérer chez nous. Et non que il y a un truc à Kinshasa où il faut que Batouba engage Batouba ça là-bas qu'il n'est pas Nord Kivu. Est-ce qu'au Nord Kivu il n'y a pas de gens? Ça, ce sont les questions que nous devons nous poser au Ezakozongi Sambokanabiso Sima. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.